sa main aurait été en fait vitriolée par une femme jalouse. Non. Il faut Darda ranger les tambourins et les chaises rempaillées, éteindre les feux de camp et rendre les poules. Sortons Django de sa roulotte. Il n'était pas plus pittoresque qu'enfantin. Son excentricité permet à trop d'ignares insensibles de ne pas écouter sa musique. Je dirais même l'intellectualité de sa musique. Se faisait disparaître. On est loin de la fuite des peureux ou des complexés qui s'effacent. Non, Django se volatilisait. Hop, tout à coup. C'était magique. Certains plus fins savaient où il se trouvait. À distance, Django envoyait des ondes. Combien de fois a-t-on vu le sorcier napolitain Henri Crolla poser brusquement sa guitare? Django arrive. Personne pourtant. Un peu plus tard, Django entrait dans la pièce. Crolla l'avait senti planer. L'esprit de Django rôdait partout. Voilà pourquoi, même quand il ne venait pas jouer, les gens étaient ravis. Ils disaient: quel grand artiste, il n'est pas venu.
Django avait des manières d'artiste de la Renaissance. Il était chouchouté par les princes, porté au nu avec sa guitare. Sa gloire date des années noires.